On enchaîne avec nos trois intervenants du jour. On a encore trois intervenants extraordinaires. On va commencer avec Lorraine Neves. Lorraine n'est pas forcément la plus connue du grand public. Après une brillante carrière de joueuse de haut niveau, elle s'est reconvertie et mène actuellement une activité d'agent. Elle est agent et de joueuse spécifiquement. Elle a une très grande connaissance de la psychologie du basket, la psychologie du basket féminin. Et probablement que dans cet échange avec Lorraine, on pourra travailler sur la relation joueuse-agent, agent-joueuse, la relation agent-entraîneur et comment elle identifie le spectre de la haute performance et comment elle pourra nous dire quels sont les déterminants pour elle de l'intégration d'une joueuse et possiblement d'une joueuse en début de carrière dans ses nouvelles équipes. On enchaînera avec Monsieur Claude Bergeau. Claude est lui pour le coup très 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 connu, un grand monsieur du basket français. Après avoir remporté de nombreux titres avec l'Élan Béarnais dans le secteur professionnel, il a enchaîné avec autant de titres extraordinaires avec l'équipe de France masculine dont il a eu la responsabilité pendant de nombreuses années. Et il participe toujours à la construction du basket français à l'heure actuelle dans différentes commissions, dans différentes interventions. Et je suis sûr qu'on va avoir également, tout comme pour Lorraine, une grande richesse dans ce partage. Et puis on terminera avec Guillaume Visat. Je suis très heureux qu'on ait Guillaume parce que autant on peut avoir Claude qui fait partie de la génération d'avant des entraîneurs, et ça n'a rien d'insultant de le dire. Guillaume constitue avec quelques autres la nouvelle génération, la génération qui monte, la génération qui prend de la place et qui apporte une vision différente, nouvelle et je trouve rafraîchissante sur le basket français. Il a fait ses armes en Pro B pendant de nombreuses années. Il va pouvoir en première division, en Betclic Elite maintenant, se mesurer et montrer tous ses talents. Et donc, on va terminer avec Guillaume, qui est également en parallèle, et vous l'avez vu déjà avec beaucoup de mes intervenants, mais entraîneur médaillé sur les équipes de France jeunes. Donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que de pouvoir bénéficier de ses apports et échanger avec lui. Voilà pour nos intervenants de cette seconde journée. Ça se passe donc le 25 juin 2024, à 18h pour Lorraine, 18h45 pour Claude et 19h30 pour Guillaume.